Donc, ce que je peux faire, c'est de superposer ou de changer la superposition des objets. Donc, pour cela, je vais utiliser ici mon navigateur et je vais dessiner différentes formes. Donc, une première forme dont le contour est vide, une deuxième, donc un intérieur bleu, contour orange. Donc, une prochaine forme. Donc, je vais dessiner certaines formes. Ce que je vais me rendre compte ensuite, lorsque je vais dans le navigateur d'objets, c'est que mes formes sont tous à la couche intermédiaire. Donc, si je les déplace, elles sont tous à la même couche. Et je vais voir que si je viens placer, par exemple, si je voulais, par exemple, placer mon cercle par-dessus mon hexagone, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon cercle qui se trouve être ma forme 10 et je vais lui dire, voilà, tu t'en vas au-dessus de mes autres formes. Donc ici, ma forme 10, oups, je vais aller à la couche supérieure avec ma forme. Donc, ce que je pourrais aussi faire, tout simplement, c'est d'utiliser aussi ici, organiser, donc d'avancer, d'éloigner, de mettre à différentes couches. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais amener celle-ci et celle-ci, je vais la mettre aussi à la couche supérieure. Donc, on voit qu'elle est par-dessus le cercle. Je peux aussi jouer en déplaçant ici. Je peux tout simplement, bouton droite, organiser donc les différentes couches.